Hello. Puis ça va, Suzy? Non, je te dis ça, je suis pas capable. Souper prêt! J'arrive dans les minutes, pas! Bon, fais-le quand t'es belle, je pense que ça va bien aller. Merci, mais faut que j'aille souper. On se parle plus tard. Bye. De quoi vous parlez, toi, Sophie? Pas grand-chose, là. Moi, vous deviez parler des petits gars, hein? C'est sûr. Bon, météo aujourd'hui annonce beau quand même. Ouais. Ça va être une belle journée. C'est bon. J'ai pas été capable, c'était trop dur. C'est ok, passe, mais plus vite tu vas leur dire, plus vite tu vas te libérer de ce secret. Merci, Soph, mais c'est juste que je n'ai pas le courage. Ça va-tu, toi? Mais Soph, je te dis, je suis vraiment tannée de pas être capable de leur dire. Tu as trouvé le courage, puis c'est pas comme si t'avais tué quelqu'un qui aime juste les filles. Tu connais pas mes parents. Je pense pas que tu serais fière que la fille c'est une lesbienne. Bon, allons à la cour. Pascal, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Ta prof, Mme Marie-Pierre, nous a appelé pour nous dire que tu avais de la misère dans toutes tes matières, c'est ainsi. Y a-tu une raison pour ça? Non, j'ai juste été vraiment préoccupée, là. J'ai juste pas vraiment pensé à mes notes. T'es-tu certaine qu'il n'y a pas quelque chose que t'aimerais nous dire? Ben, non. Je vais plus me concentrer. S'il y a quelque chose, je ne te pas. Non, je vais plus me concentrer. Je vais être bonne. OK. Hey! Allô? Hey, tu créeras pas ça, j'ai failli leur dire! Sérieux? Ouais, comme j'arrivais de l'école, puis ma mère et mon père sont allés là, puis comme ma mère me dit que Mme Marie-Pierre l'avait appelé parce que j'avais de la misère à mes notes, puis elle m'a dit si j'avais de quoi. Puis j'ai failli leur dire, mais j'ai pas été capable. Voyons, pas si ça va apporter cette occasion pour leur dire. Donc là, tu donnes ton flash à demi, puis tu as une chose. Je sais, mais c'est parce qu'il faudrait quasiment qu'ils me pognent en train de parler de ça, puis j'ai le courage de leur dire. Bon, faut que j'y aille, faut que j'aille me coucher. On se parle plus tard. Okay. Bye. Bye. Bon, bye, je suis partie pour l'école. Pascal? Avant de t'en aller, viens dans ici, va. On a eu un appel de Sophie, ton amie. Elle nous a dit que tu avais quelque chose de vraiment important à nous dire. C'est que là, comme, c'est le temps, là. Parle-nous, là. Non, elle gossait probablement juste, là. C'était probablement juste une blague. Ma chérie, on te reconnaît plus. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, sérieux, j'ai vraiment pas rien à vous dire. Bon, je vais pas attendre toi, fait que je vais y aller. Ok, oui, j'ai de quoi vous dire. J'aime les filles, j'aime pas les garçons. Ah, ouf, c'est juste ça. Tu nous as assez fait peur. On pensait qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre, là. Vous êtes pas fâchés? Hey, non. Ben, voyons. Tu sais, là, nous autres, là, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas décider, peu importe où ce que tu vas vouloir aller dans ta vie, là, on va toujours être en arrière de toi. Sérieusement. Il n'y a aucune nouvelle comme ça qui va nous faire qu'on t'aime moins ou qu'on va te fâcher après toi. Là. C'est bon? Va-t'en à l'école. Bye! Bonne Bye. Journée! Bonne journée! Zout tout! Merci. Ça va pas.
parlant à mes parents, j'aurais jamais eu le courage de leur dire. Mais faut que je te dise de quoi. C'est quoi? Je t'aime, Sophie, mais plus qu'un ami. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi, passe.